Capture. Attends, c'est marqué quoi en bas à droite? Donc pour faire une capture, tu cliques sur Add, Clean Capture. Non, mais attends, là on est en live, donc je vais faire. Ah putain, on a eu à nouveau la même banane. Hein. Putain, qu'est-ce qu'il me fait là? Ah, quelque chose? Oui, il y a quelque chose. Ouais, ah, c'est bon, on est de retour, mais il n'y a plus d'image. Mais la scène, c'est celle qui était sur l'ancien machin. Ouais, tu mets. Là, tu fais ajouter ou add, screen capture. Heureux, c'est imminent. C'est ça arrive. Ah, bravo, bravo, bravo. Ah, bonjour à tous, désolé. Excusez-moi, messieurs, dames. Bon, moi, c'était l'enfer, je suis vraiment désolé. Merci à Gene Nefaut de m'avoir aidé. Mais si ça n'est pas là, je ne connais pas X. Non, mais c'est Kawaii Matt, hein. Moi j'ai rien foutu, j'ai juste Merci à Kawaii Matt, merci tout le monde. Tout va bien, bonjour à tous. Voilà, on est c'est ASGLQ, tout se passe bien. C'est génial. Allez, on s'amuse trop, on fait des attaques rodéo. Faites gaffe au plomb, bordel. Ah, c'est génial. Une dernière attaque rodéo, on va envoyer un 9 sur la gauche et on va tuer tout le monde à la fois. Et bravo. Ah non, il a raté. Il a raté, il fait des dégâts monstrueux. Il a raté, non, c'est bon. Alors, c'est bon, bravo, bah, faut, merci à vous d'avoir patienté pendant cette. Alors, les plombs cassés. Ah, les plombs cassés, hein, pour tout vous expliquer, hein, comme on dit, hein, ici on ne se cache rien, hein, on vous explique tout, on vous dit ce qui se passe. Les plombs ont pété. Et, c'est ça, c'est fou. Les plombs ont sauté. Donc internet a sauté, on ne sait pas ce qui se passe en haut, mais les plombs ont pété. C'était la SGDQ hype en fait, trop de hype fait sauter les plombs. Voilà, hashtag 113, tout ça, je pète les plombs. Pas de soucis. Pardon. Ah, encore un perfect flutter, du coup on revient pour les perfect flutter, hein. on en manquait. Voilà, donc du coup, ouais, où est-ce qu'on est? On est au 4-5, si je ne me trompe. Je ne sais pas, j'avais les yeux sur mon je vais vérifier, je suis désolé. Alors, excusez-nous, messieurs, dames, mesdames et messieurs, ça arrive. Voilà, les aléas du direct, encore une fois. Voilà, il y a récupéré 3 pièces rouges, GG, c'est pas évident. Pouette big up. GG, on est bien, tout va bien. Alors encore un perfect flutter, encore un perfect flutter pour passer ces petites barrières qui nous empêchent d'avancer. Et l'abus du fait que les ennemis nous envoient extrêmement haut quand on jump dessus. Et encore une fois, on utilise la carapace voilà, pour aller en haut. Voilà, bravo. Voilà. Et merci à tous d'avoir suivi, d'avoir continué de nous suivre, d'avoir cru en nous. Voilà. D'avoir cru en les habillages de Yoshi l'hiver. Fait en direct live par Biff. D'ailleurs, il sera bientôt au plus grand cabaret du monde pour faire du ASCI Art en direct pour Patrick, pour Patoche. Voilà. Voilà. Donc, n'hésitez pas à suivre Biff sur sa chaîne perso, bien sûr, hein, pour qu'il fasse ses petits pixel art en direct pour vous sous vos yeux ébahis. Voilà. Et alors qu'on continue d'être avec notre Yoshi, on recrache un ennemi avant d'arriver dans le cercle. Toujours pour cette bonus. Histoire de vitesse et d'évitage de bonus. Voilà, tout s'est bien passé. Voilà, diffusion en direct, tout se passe bien. Voilà, désolé, hein, moi je n'ai jamais utilisé Exploit, voilà, mais si ça revient, live. Comme dirait l'autre, j'ai beaucoup appris de mes erreurs, donc maintenant on saura le faire. C'est ça. Donc il n'y a pas de souci. Maintenant je sais où se trouve le bouton diffusion. Je pense que ça ne se repassera pas, donc tout va bien se passer. Voilà. Parmi les jambes circles et neuf. Voilà, ok, très bien. Donc tout va bien. Bah, tout se passe bien, on est de retour, la famille. Alors, on fera évidemment. Numéricable fera une grosse donation en fin de marathon. Et à nouveau une duplication de pièces. Hein, encore une fois, voir, on a dupliqué de pièces. Encore une fois, on le fait souvent à cause de cette histoire de pièces rouges qui sont assez lentes à faire. Qui sont assez chiantes à récupérer. Donc, du coup, on préfère en dupliquer pour éviter de les faire. Et surtout parce qu'on peut le faire. Voilà. Pourquoi ne pas dupliquer le jeu quand on peut le faire? Même si, évidemment, il y aura toujours les brothermen et autres pour nous dire « Mais c'est triché de glitcher !» Ah, rigole, bien sûr. C'est interdit. Big up à nos amis de Speedcast, bien sûr, que vous pourrez retrouver tous les samedis sur cette même TV. Évidemment, pas pendant la ZDQ, mais pour les prochains marathons, bien sûr. J'espère qu'ils nous regardent. Hein. Voilà.
Donc Yoshi's Island, toujours des poissons. Hein. Les ennemis commencent à être de plus en plus trollesques. Donc qu'est-ce que c'est qu'un troll? Oui, parce que les vrais débats. Qu'est-ce les vrais qu'un débats. Troll, le chat. Les vrais débats. Un troll. Hein. Comme un exemple de définition du dictionnaire, évidemment, Biff est un vrai troll. Voilà l'exemple. Voilà. Donc tout va bien. Voilà, on récupère encore des étoiles dans des nuages cachés. Alors voilà, lorsqu'on n'a plus besoin d'étoiles, les nuages nous donnent des pièces pour bien nous signifier que nous sommes full life. Exactement. Voilà, plus besoin avec d'étoiles. Une utilisation du mot full life. Ah, full life, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire toute notre vie. Voilà, puis... exactement. Et oui, toute notre vie. Ah là là, alors que c'est le drame, il s'est fait toucher. C'est le drame, il va devoir se faire tuer. Et voilà, parce que là, il n'a plus aucune possibilité de se faire un œuf rouge. Tout à fait. Qui lui permettrait de récupérer le avant la de fin. Donc, du coup, il va être obligé de se tuer. Voilà. Voilà. Et donc, il est obligé d'attendre les 30 secondes. Ah ! Alors qu'on me dit que Brovermane est là ? Non, il n'est pas là ? Je ne sais pas. Non, MV n'est pas là, hein. MV est en train de dormir. MV est sans doute avec sa dulcinée, parce que à cause de ce fameux Tour de France, malheureusement, les affaires familiales, pour pas trop spoiler, mais les affaires familiales sont moins bonnes. Pas moins bonnes, mais... Ah, alors qu'il faut que je fasse un post-play. Tu m'entends? Je t'entends. Voilà, je fais un post-play parce que ça a buffer, désolé. Est-ce que tu m'entends? On va faire un petit point timer parce qu'on n'en avait pas en forfait du coup. Point timer 29, 54, 55, 56, 57. Je suis sur le stream US donc je t'avoue que je n'ai pas le timer FR sous les yeux. Non, mais le timer US, Alien. Ah, le timer US, attends. En dessous de Trayex, il y a un petit timer. Bien vu, ah oui, bien vu. Une 30, 05, 06. Alors j'ai 11, 12, d'accord. Donc il faudrait que tu refresh sans doute. Okay. Mais voilà, allez, tout va bien. On va tout faire va un bien. Petit refresh. Hop, faisons un petit refresh. Tout va très très bien. Alors que ça a encore buffer, mais qu'est-ce que c'est que cette alien d'internet? Je ne sais pas ce qui se passe. J'aime beaucoup, ma foi. Fort agréable à l'œil. 30, 26. 30, 29, 30, 31. Ouais, 32, ok, voilà, nous sommes synchro. 3 secondes de différence, tout va bien, ça devrait aller. Ok, alors encore une fois, on a abusé du fait que l'on peut traverser les piranhas. Là, pendant 4 petites frames. Les piranhas, tout à fait. C'est exactement ça. Voilà. C'est pas des piranhas, c'est des plantes carnivores, pardon. Ouais. Les piranhas, ce sont les méchants. Les poissons. Ah, mais bien sûr, je veux me faire inviter chez Speedcast, bien sûr, évidemment. Hein. Je vends ma mère pour aller chez Speedcast, bien sûr. Ouais. Avec plaisir. Alors, les, jeux. Les dons viennent de passer à 11 106 dollars déjà. Ah, déjà. C'est pas mal. Déjà 11 106 dollars, évidemment, on vous remercie. Remercie de donner votre mère, voilà, votre RSA. Merci tout ça. D'avoir vendu vos mères. Voilà, c'est ça. N'hésitez pas à donner vos RSA. MVTDF 140 dollars pour DKC3. Ah, bravo les amis. Alors là on essaye également bravo. De sauter sur la carapace et c'est un fail. Ah, là, on va essayer de récupérer la carapace. Pour... Ah bah non, ce sera plan B. Il a raté. C'est hein. Pas grave. Big up à Brovermane, il a raté. Ah là là, alors que ça buffer encore, mais c'est pas possible ce stream. Qu'est-ce qui se passe internet là? Écoute, moi je suis au taquet hein, de ma connexion numérique. Ah là là, c'est pas mon internet. Je pense que chez vous, comme chez moi, là, c'est numérical. Je sais pas pourquoi numérical ça dans le Nord, ça marche. Je suis vraiment désolé, mes amis, ce n'est pas ma faute. C'est pas ma faute à moi. C'est pas ma faute à moi, comme dirait. Mais ça peut faire encore, mais c'est pas possible. C'est la source qui veut pas. Alors là, Yoshi transporte des petits œufs en forme de bons hommes de neige. Ces petits œufs ont la spécificité d'être lancés et de revenir dans le stock de neuf. Alors toi, tu trouves qu'ils ont l'air de bonhommes de neige, d'accord. Moi, je trouve qu'ils ont plus l'air d'espèces de pingouins en trois pièces. Hein. Ouais, je sais pas trop. On dirait des sortes voilà, de bonhommes oui, bonhomme de neige avec une carotte dedans. Avec une carotte dans le pif, ah, oui, voilà, ouais. C'est ça, tout à fait. Ouais, notre ami Biff. Qui du coup. Et ça. Ah, mais faut arrêter de buffer internet là. C'est pas possible. Bah, si, bah, tu le mets bon, en qualité mobile. Je vais passer en high, mais en même temps, c'est le stream. Ah, je suis libertine. Oula, je sens que ça sent. Ça sent les références sur le chat. Je suis libertine. Bon, ok, bah excusez-nous pour la qualité du stream. J'ai dû passer en high pour éviter que ça buffer. J'espère que ça ne buffer. Ah, mais du coup, tu vas avoir de l'avance sur moi. J'ai 1, 32, 56, 57. Ah, alors, est-ce que sur ce boss, nous.
Oui. Nous allons avoir le petit glitch qui me fait bien marrer. Ah, bah oui. Oui, oui, on le verra. J'aimerais bien le voir, ce glitch. Super high jump rodeo. Je sais pas trop comment on l'explique. De ta mère. Voilà, c'est ça. Voilà, de toute façon, on n'hésitera pas à passer en 144p si on a besoin de le faire. Hein. On sait faire. On sait faire. Ah, alors que là, on peut pas passer, on est obligé d'attendre, il s'est fait avoir. Alors, c'est pas évident de passer à travers ces trucs. Ouais, alors, faire ça des premiers cycles, vraiment en retard ce sur le facile. Cycle, donc il s'est un peu fait avoir. Tout à fait. Il s'est fait eu. Il s'est fait eu, tout à fait. Je pense que du coup, la livebox a un peu. Enfin, la box a un peu pété chez nous. Du coup, La mobile quality, évidemment, on passera en mobile quality tout de suite, tout va mal. Hein. Elle n'a pas dû trop apprécier ce pouls. Ce petit saut de coup. Alors, et voici encore un gate hack, évidemment. Encore une fois, donc en envoyant un 9 mort. Tout à fait au nord, parfaitement au nord, enfin vers le haut. Totalement vers le haut et en se collant et en sautant. Alors en fait, le fait de sauter nous donne plus de frames possible en fait. Il nous donne 9 frames alors que si on le fait sans sauter. Voilà, tout ça pour une pièce rouge. C'est beau. Setup de sauter. Oui, j'avoue. Ouais. Tout ce qu'on avait à faire pour. Tout ça pour une pièce rouge. Pour avoir la pièce rouge. Alors, les pics que vous avez vus, en l'occurrence, c'est Megaman X. Hein. Si on les prend, pour le coup, c'est instant death. C'est mort direct. On meurt totalement, on n'a pas les 30 secondes. Alors là, c'est des jeux. Je trouve ça complètement fou ce qu'il passe ici. GG à lui. Pourquoi est-ce qu'on me met le micro? Que se passe-t-il avec le micro? Je mange le micro. Mange le micro, bébé. Mange le micro, donc je vais éviter de manger le micro. Est-ce que ça va mieux comme ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce que tu m'entends, Eo? Le micro, bébé. Mais oui, alors. Est-ce que c'est mieux, les amis? Le micro, kawaii, non, bébé, je ne sais pas. Micro, ou on m'entend là? Ou alors il faut que je parle beaucoup fort, ou pas trop fort? Ah oui, attends, c'est vrai que je m'entends un tout petit peu en écho dans ton micro. Test 1, 2, 3. Je ne peux rien entendre ton machin. Est-ce que tu m'entends? On m'entend mal, hein, bébé. Moi, je t'entends très bien. Ah, tu m'entends mal, bébé. Non, ça va? J'ai les tests de la régie, normalement ça va. Ah, le micro, tu ne le manges pas. Il semblerait que ton volume. Alors, il faut que je sois mieux, plus proche. C'est bon. Ne bouge pas. Là, c'est mieux. Là, c'est bon. Ah, c'est bon, je ne bouge plus. Plus à rien, ne touche à rien. Ça a l'air de. Là, je ne bouge plus. Ok, voilà. Test 1, 2, 3. Kappa 1, 2, 3, tout ça. Ah, voilà, donc Koopa. Alors. Le méga Koopa. Voilà, donc, si vous sautez sur la si vous sautez sur la tête de ce boss, il vous donne des œufs. Voilà. Okay. Donc je tiens à dire que mon setup pour changer mon son de micro, j'ai absolument rien fait. J'ai tout simplement pas bougé du tout. C'est pas ma faute à moi. Là c'est c'est mieux. Ah oui, bah très bien parce que j'avais tout à fait rien changé. C'est beaucoup mieux. Voilà, c'est fort. Non, c'est bon, pas. C'est mieux, c'est oui, plus. Ah, c'est il a réussi le super high jump. Rodeo Dash. To be free. C'est bon, c'est bon, c'est plus, Madame Michu, c'est plus, Jacqueline, c'est plus, c'est moins, plus, oui, vous l'avez, c'est moins, vous l'avez, vous l'avez, Francis, c'est non, Francis, voilà. C'est non. Qu'il a réussi le super high jump, un méga Koopa. Le super high jump. Ah, alors que visiblement, Trayex a un espèce de setup de t-shirt. Ah, Illuminati. Alors là, attention, vous allez pouvoir spammer les d'Illuminati. Alors, je compte sur le chat pour expliquer comment on fait un Illuminati sur le chat. C'est important. Voilà. C'est super important. Voilà, préciser ça aux jeunes. Un Dilu espace Minati, no space. Voilà. Allez-y. Un indice s'affiche en bas. Ah, alors qu'une donation de 5 000 $ a été faite. Ah. Bravo, bon, généreux donateur. Voilà, des Illuminati, bravo, 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 merci le chat. Continuez de spammer, de vous faire ban par Moubot. Allez-y, je vous en prie. Non, en fait, pas plus 3, hein. Sinon vous faites banner direct, attention. Vous faites banner. nouvelle francisation. Voilà. Je vous vais me faire banner. Et tu vas bader. Voilà, c'est ça. Et tu vas bader, tout à fait. Voilà, encore une fois de la multiplication. Pièces rouges. Encore une fois, faut le faire assez vite parce que sinon on perd du temps. Les pièces elles peuvent disparaître, pardon. Tout à fait.
Donc voilà, c'est bien passé. Alors que nous sommes dans un joli niveau où il neige. Eh oui, il neige, parce qu'on arrive dans le monde de la neige, on arrive dans les cieux. Tout à fait. Parce que vous l'aurez compris, hein, sur la carte du jeu, nous grimpons hein, les échelons, nous montons en altitude. Ah, c'est ça, de toute façon, ça se voit dans ce niveau, et quand même, enfin, le layout du niveau. Donc, tout à fait. J'espère que ce n'est pas trop dégueulasse sur la forme du niveau est faite de telle manière. J'espère que ce n'est pas trop dégueulasse sur le Rediff. Et encore une fois, on regarde là, vers le haut. Alors là, on abuse de... Voilà, tout à fait. On regarde vers le haut pour faire apparaître les pièces. C'est quoi déjà la chanson ? On regarde vers le haut. Enfin, bref, regarde vers le haut. Enfin, je sais plus. Je ne l'ai plus. Bref, bon, c'est bon, les Illuminati, on peut s'arrêter. Hein, sinon, Moobot va s'énerver. Voilà. Vous savez déjà envoyé ce message. Un sale caractère. Mais oui, donc le layout du niveau nous montrait qu'on grimpait vers les cieux, vers la neige, vers les montagnes. Voilà. Il faut faire attention aux stalactites et non pas les stalagmites. Et oui, parce que les stalagmites tombent, les stalagmites montent. Tout à fait. Voilà. Apprenez le français, vous aussi, en regardant Stoji Island. Et voilà, il y a de la neige. Donc on est évidemment. Alors là, nous allons avoir notre transformation en ski. Donc c'est pas ici, c'est dans le niveau d'après. Ah, il me semble pas qu'on ait les skis déjà. Mais ça ne saurait tarder. Voilà. C'est un niveau que j'aimais beaucoup, j'aime bien ce monde, je crois que c'est mon monde préféré évidemment. Ah. Et voilà, bravo à lui. Regarde à gauche, il y a des dauphins. D'accord. Oui, tout à fait, Rashtar. Tout à fait, Rashtar, puisqu'elle monte. Ah, voilà. Parce qu'on sait jamais. On regarde vers le haut. Merci, Sporty, de m'avoir rappelé cette chanson. Ah, no excessive use of caps. Sylphur. No excessive Attention. Use of caps. Mais oui. N'utilisez pas excessivement de majuscules. Voilà, exactement. Donc voilà, on rappelle que nous sommes sur le restream français de la Summer Games Down Quick, donc les jeux faits rapidement de l'été. Tout à fait, et nous sommes en train de regarder actuellement un run de Super Mario World 2 Yoshi's Island par TryHex, tout à donc fait. Le TryHard, T majuscule R-I, H majuscule A-R-D, voilà, pour faire le TryHard, la tête Alors, du TryHex. Ce jeu a été développé par Nintendo, EAD, édité par Nintendo, et conçu par Takashi Tezuka, Toshihiro Nakano, Shigefumi Ino et Hideki Kono. Ah bah oui, le fameux Hideki Kono. Tout à fait. La musique est évidemment de notre, de notre fameux Koji Kondo. Voilà, c'est ça. Et bien sûr, Sinael nous expliquera que Koji Kondo, bien sûr, reconnu pour avoir fait la musique de Ninja Gaiden ou je sais pas quoi. Tu t'es fait Mario, de Zelda, bref, c'est le compositeur officiel de Nintendo. Ouais, ce jeu est sorti chez nous en décembre 95, chez eux en octobre 95. Il est sorti sur Super Nintendo, il a été réédité également sur Game Boy Advance. C'est ça. Et il y a eu un New Super Mario World 2, enfin un New Yoshi's Island qui est absolument infâme. Qui est vraiment dégueulasse. Extrêmement lent, extrêmement mauvais. Donc, il y a eu également une version Yoshi Island DS que je n'ai pas beaucoup aimé. Voilà. Et alors du coup récemment, donc il y a eu le fameux Yoshi's Woolly World, qui est pas trop mal. Qui me tente plutôt joli. Alors il y a plein de retours différents. Quand j'aurai de l'argent pour l'acheter. Ce jeu a été noté par Age à l'époque en Grande-Bretagne 9 sur 10, par Famitsu 33 sur 40, et Player One en France lui a donné 28%. Voilà. Ah, Player One! Oh putain! Oh là là! Oh, ça rappelle le souvenir. C'est un indispensable game blog, hein, évidemment, vous l'aurez compris. Ah oui, indispensable game blog, évidemment. Voilà. Oh là 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 là. Ici, j'ai contacté la NASA, ils m'ont répondu malgré l'importance que revient votre existence et que nous pouvons perdre 100 ans de recherche et que vous admirez. Quand bien même la question a été soulevée de façon mondiale, les votes contre devraient sûrement être des jaloux. D'accord. Très bien, très bien, Belzébal, merci à toi.
Mais je rigole, hein, nous aimons tous Sinaël, hein, moi je dis ça très gentiment, hein, j'aime beaucoup Sinaël, hein, c'était pour rire. C'est évidemment très gentil. Combien de saucisses nous demande-t-on? Si ce jeu a été noté 6 saucisses sur 6. Ah, il y a 6 saucisses sur 6 pour noter ce jeu, évidemment. Et voilà. Ouh, youpla, voilà, c'est, on a il a raté, de fail, hein, les amis. Mais voilà, il a failli, donc encore une fois, c'est un peu l'aptitude. Ah, et là, il a réussi en envoyant un ennemi juste au moment et en faisant une petite glissade vers le bas. Il a réussi à passer à travers les pics, hein, qui encore une fois nous one shot, nous tout à tue fait. En un coup. Voilà, il faut toujours tout franciser, bien sûr. C'est important. Ah, et la transformation, la force, chaussons nos skis en ski. Et alors, vous pouvez remarquer un petit détail très important, le chapeau de Mario a changé. Mais tout à fait, il porte un petit bonnet. Un petit bonnet, bah oui, je pense pas qu'il est froid. Alors qu'il est toujours à poil, hein. Il a toujours sa couche et son bonnet, mais il a quand même un bonnet, donc tout va bien. Voilà. Tout va bien. Il vaut mieux qu'il ait chaud à la tête qu'ailleurs. Voilà, c'est ça, tout à fait, exactement. Je ne sais pas comment enchaîner sur ça, mon cher Shakaoriman. Je te laisse continuer. Je te remercie. Ah, et on va. Voilà. Ah, je croyais qu'on atterrit ça sur le niveau secret qu'on atterrit sur les niveaux. Tu t'es fait. Un petit peu déçu. Ah oui, alors là, généralement, ah oui, Trex l'a fait, mais voilà, c'est parti de ce morceau de niveau où on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, donc il peut faire des selfies, tout ça. Il y a un an et demi pour la GDQ 2014, si je me trompe. Il avait pu faire un selfie pendant cette partie de ski, tout à fait. Ouais, il avait tweeté, évidemment, ça avait autant tweeté que la photo des Oscars, bien sûr. Voilà. Et, oui. Et alors, du coup, petite trivia nulle, hein. Donc, du coup, pendant qu'on parle, dernier run. Ah, on n'entend plus Island, incroyable bébé. Ah, on m'entend. Le micro. Allô. Le bébé, le micro. Okay, donc, là, on m'entend mieux, micro. Ah, voilà, c'est mieux. C'est mieux. Donc, le trivia nul, voilà, je vais essayer de mettre le micro devant ma bouche quand je parle. Donc, le fameux trivia nul dont je vais parler, donc il y a un an et demi pour le run de Yoshi's Island 100%, encore une fois, par Triax, il y avait eu une alarme incendie. Oui, et oui. Et il y avait eu un alarme incendie, et il y avait eu aussi eu un DDoS de MV. Donc, on a eu la première partie, mais on a eu le crash. On a eu d'abord le crash. C'était moi au commentaire. C'était toi au commentaire. Donc on a déjà eu le crash internet. Donc est-ce qu'il y aura l'alarme incendie du côté US? Je ne sais pas. J'espère pas, évidemment. Le plus traumatisant, c'est que ça a été mon tout premier commentaire pour la GDQ, SGDQ, tout ça, quoi. Je n'avais jamais commenté avant. La première fois c'était ton début slash, c'était ta première fois. Et DDoS, voilà, c'était mon début slash de commentaire. Toute première je m'en fois. Souviendrai tout le temps. Ouais. Je m'en souviendrai. Tu te souviendras tout le temps de toute ta vie, c'est ça? Ah ouais, c'est ça. D'accord. Tout au long de mon existence. Ah oui. Bref. De toute ta vie, de toute ton existence. Mais tout, oui, tout à fait. Ah là là. Bon, alors qu'on a récupéré une pièce rouge, on va pas évidemment tout vous détailler niveau stratégie, hein, parce qu'il y en a tellement de stratégies, ça n'en finit pas. Genre là par exemple, il a activé le nuage, hein, il a sauté juste à temps au moment pour être bien en haut des escaliers pour gagner quelques frames, donc un 60ème de seconde, quelques 60ème de seconde. Parce que encore une fois, nous sommes dans un speedrun. Donc, qu'est-ce que c'est que le principe du speedrun? C'est d'aller le plus vite possible, terminer le jeu le plus vite possible. Tout à fait. Sur certaines conditions, en l'occurrence ici 100%, run, donc récupérer tout. Voilà. Ah, et nous sommes sur le 5-4. Nous sommes sur le niveau 5-4, donc le monde 5, niveau 4. Et donc, il est extrêmement connu, ce niveau 5-4, pour avoir ce qu'on appelle le 5-4 skip, donc l'esquive du niveau 4, enfin de 5-4. Mais en gros, on va avoir en fait un trick qui arrive juste maintenant, sous vos yeux ébahis, tout à qui fait. Est le 5-4 skip. Ouvrez bien. Et il consiste à faire un nombre infini de perfect flutter, de sustain perfect flutter. Et alors, ça commence maintenant. Et alors, attention. S'il rate, s'il tombe, je vous invite à spammer les Baby Rage. Et s'il réussit, je vous invite à spammer soit les Based God, soit les Pogchamp. Voilà.
Tout à fait. Donc on va voir. Déjà, là, il fait le... j'ai l'impression qu'il est... il va pas nous faire un complete 5 for skip. Mais Non, par je contre, il va nous pense faire qu'on va un essayer de la faire semi. safe. Voilà, ce qu'il appelle un semi 5 for skip. Donc il le commence au bout de 2-3 passerelles. Hein. Normalement, il le fait depuis le début. Ouais. Mais voilà. Donc en l'occurrence, donc voilà, il doit réussir à voler de bout en bout et en utilisant, voilà, il utilise ces petites chauves-souris qu'il ne doit Ah, absolument pas c'est beau, tuer. c'est très beau. Ce qu'il fait là, c'est très beau. Ouais, voilà. Alors c'est la première partie qui est faite, mais c'est pas fini du tout. Hein. Et là, il va devoir faire encore de la duplication en plus. Oh, il a raté! Il a raté, il a raté! Non, c'est Non, bon. c'est bon, Non, c'est bon, c'est c'est bon, il bon. a repop. Ok, ouf. Voilà, et là, s'il se rate. Ok, c'est bon. Voilà, nickel. Ouh, voilà, karaté n'a pas raté. Voilà, donc là, il va d'abord faire spawn, donc faire apparaître les. Donc, non, déjà, il va faire apparaître, il va faire la fleur. Maintenant, il va revenir pour faire apparaître les chauves-souris pour qu'elles aillent dans son sens. Donc, Voilà, vers la pour pouvoir droite, il va. sauter Voilà, il dessus. rebondit. Ah non, il a raté. Non, c'est bon. Il C'est bon, rebondit c'est sur la bon. chauve-souris pour aller bien Voilà. haut. Là, il a Attention à ne toujours un pas se ennemi faire qu'il a toucher par les avalé. pics. Donc il va servir, donc voilà, il rebondit, donc ça c'est bien, première partie réussie. Voilà, maintenant il va recracher son ennemi pour pouvoir utiliser encore un perfect flutter, voilà, c'est réussi. Et alors, normalement, je spoil pas, mais ça devrait passer maintenant. Alors, je Oh, pense. c'est bon, c'est bon, Oh, oui! mais bon, Ah là là, ouais, Pog c'est Champ! GG. Pog C'est Champ, le Pog Champ, GG. Pog Champ! Ah là là, best god! First try! GG! GG Jackie! Bravo! Oh, c'est joli, c'est bravo! C'est beau ce Et qu'il a c'est vrai que fait. c'est vraiment balèze. Hein. Il faut savoir que ce truc-là, on pensait que c'était Tasson Lee. Ah oui, petit trivia nul quand même. Hein. On pensait que c'était Tasson Lee. Et alors, il y a une speedrunneuse que je connais particulièrement parce qu'elle est l'ancienne recordman woman du monde de Link to the Past. C'est donc Crystal hein, qui a dit bah ouais, moi je suis trop forte, je vais le faire. Et donc elle l'a fait. À la main. Et donc du coup Eh les gens oui. se sont mis à le faire. Alors du coup là on n'est pas en train d'en parler, mais on est en train de faire exactement la même chose que l'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire en abusant, c'est quoi ton truc, ton terme là pour l'abus de hitbox? Mais en gros la zone de dégâts, en fait en Ah oui, bougeant l'écran vers la gauche la disparition des et en le fantômes. faisant réapparaître et en envoyant un œuf préemptif, on n'a pas besoin d'envoyer son œuf 5 fois comme on devrait le faire en casual pour toucher le Ouais. cœur de cette gelée. Voilà. Voilà. Et ça, c'est vraiment un truc qui a été découvert empiriquement. Lorsque l'on joue au jeu, normalement, en fait, on spamme les œufs à fond jusqu'à creuser le petit corps du petit Voilà, de c'est la petite ça. gelée pour atteindre son cœur. Donc, quand j'ai vu ça la première fois, j'ai perdu tout un volet de mon enfance. Ah oui, bien sûr, parce que ce boss-là est tellement infâme normalement. Enfin, pas infâme, mais ça met énormément de Non, temps mais pour toucher son il est cœur. Là, vous très avez vu, très il a beau eu comme besoin de boss. 4 tirs d'œufs. Normalement, on en a besoin d'environ 20, quoi. Environ, si on rate pas, quoi. C'est ça, ouais. Ah, alors que là, il s'est un peu fait avoir parce que il faut absolument monter dans le truc pour voilà, récupérer la fleur. Hein. GG à lui. Mais alors, quand même, GG d'avoir réussi Ah le oui, 5-4 skip. Hein. le chat a raison, le timer s'est arrêté. Que se passe-t-il? Ah, Le timer s'est le arrêté, mais... timer. Mais karaté, le timer! Qu'est-ce que t'as fait? Mais qui a arrêté le timer? Ah, qui a arrêté le timer? C'est pas possible ça. Alors, c'est pas nous, hein. Voilà, ce n'est pas nous. Non, non, On là c'est rappelle que vraiment le sur le streamer, timer hein, pas qui sur le est streamer, sur ça. l'overlay, donc l'habillage américain, ce n'est pas nous qui le contrôlons. Donc, évidemment, je Non, non, pense que le chat américain c'est est en pas train de nous qu'on a spammer contrôlé. timer! Timer! Sac! Comme on dit, enfin, l'expression française pour dire sac! Tocard! Timer! Ça doit spammer, à mon avis, sur le chat américain. Timer, bordel! Ouais, je ne sais pas si ça va réagir chez les Américains. Ils vont voir ça à la fin et crier au World Ah Record. oui, World C'est Record! exactement la même chose. Ah, and Ouais, mais c'est time! 1:50:45! 50 45! Ah, Mais c'est D'accord. incroyable! Mais non! Alors, admirez tout de même le petit chopé de petites bouboules jaunes à la volée, Oui, c'est fantastique. et en plus il s'en sert, hein, c'est important. Parce que là, Tout par à exemple, pour fait. l'occurrence, il va s'en servir pour skipper, donc encore une fois, éviter le Un bonus en le bonus. recrachant. On le répète pour la 50 millième fois, mais parce qu'on le fait 50 milliards de fois dans le run. Donc là, en l'occurrence, encore une fois, donc il a recraché son ennemi avant de rentrer dans le bonus pour éviter le bonus. Voilà. Tout à On le fait. dit de mieux en mieux. On le dit de mieux en mieux. Oh là là!
Alors que Skydead 6666 dit c'est le futur Mr. Bean, bien sûr. Tout à fait, bien sûr. Karaté, enfoiré! Ah là là, bref. Alors le timer réapparaîtra, ne vous inquiétez pas. Ah, Capoué nous confirme que ça spam timer sur le stream officiel. Ah bah oui. Merci Capoué. Oui, ça spam le timer. Capoué, alors là, encore une fois, ici aussi, on a besoin de ces fameuses étoiles. Et en plus, elles sont assez rapides à récupérer parce que c'est un autoscroller. Donc qu'est-ce que c'est qu'un autoscroller? Encore une fois, il faut éviter les anglicismes. Hein. C'est un comme, défilement automatique. Défilement automatique, exactement. Oh là là, oh là là. On voit que tu as fait LV. C'est quoi déjà le LV1 anglais. En anglais, non mais c'est quoi le truc de fac là déjà, le terme de fac LEA, ah voilà, LEA, non, étrangère appliquée. Voilà, c'est ça. Ouais. J'ai fait aussi classe européenne, hein, donc évidemment. Ah oui, c'est ça, la fameuse classe européenne. Ah oui, voilà, les, où on avait des cours de français en anglais, tout ça, les cours d'histoire américaine. Ouais, tout à fait. Ah oui, la fameuse classe européenne. Ouais. Ah là là, ça c'était un mythe, moi j'ai jamais été en classe européenne, ouais, j'ai toujours entendu parler de ces espèces de dieux de la langue qui étaient en classe européenne. Bah écoute, j'en étais, je suis un dieu de la langue. Ah, oh là là, bravo, je suis un dieu de la langue, bien sûr. Ah oui, pardon. Tout comme Yoshi qui est aussi un dieu de la langue. Ah oui, c'est ça, ouais, non, mais là on va éviter, parce qu'on va partir sur des trucs, le chat va commencer à dire mais qu'est-ce que vous dites. Non mais non, ça va être dégueulasse, il n'est pas encore temps de parler. C'est dégueulasse, mais oui, il faut arrêter. Il n'est pas encore temps de parler. De privée. Ah oui, ça rigole pas, les casseurs européennes. Kappa, tout ça, ça le sache. J'ai un niveau LF Mao, bah oui. Voilà, c'est ça, j'ai un niveau d'anglais LF Mao. Ah oui, non, mais attends, il faut savoir quand même. Ouais, moi, j'ai habité à New York, hein, donc tout va bien, je parle anglais tout à fait correctement. D'ailleurs, tout est fait, je parle anglais. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que moi, je parle anglais généralement quand je suis sur Twitch. Mais voilà, tout, pour vos yeux, pour vos oreilles ébahies, évidemment, je parlerai français. Avec plaisir. J'ai cette sensation des petits chagailles, on dirait un peu des cucurbitacées verts. Ah, des cucurbitacées, bien sûr. Ouais. Bah oui. Je. On dirait des sortes de concombres ou de je sais pas quoi, c'est bizarre quoi. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est, mais. Ils rebondissent magnifiquement. Ah, alors, là, j'étais en train de parler pas très fort, donc du coup, on va me dire micro ! Micro ! Micro ! Alors, du coup, je vais parler un peu plus fort, voilà. Donc voilà. Donc là, c'est mieux. Et donc du coup, voilà, encore une fois, comme on dit, l'ennemi du speedrunner, c'est l'autoscroller, parce qu'on ne peut pas aller vite, mais on est obligé d'attendre. Celui-là n'est pas skippable, n'est pas passable, évidemment. Ah oui, c'est ça, on ne peut pas l'éviter. Voilà, voilà, tout à fait. Voilà. Micro. Les oreilles. Micro. Ah, alors je le fais pas aussi bien qu'MV, hein, je suis désolé, hein. MV n'est pas là. Il est où MV? Évidemment. Rendez-nous MV. Rendez-nous MV, rendez-nous l'argent, tout ça, rendez-nous. C'est ça. Il est où Karaté? Oh, il s'est fait toucher, mais normalement il a un. Ouais, non, il a un. Il doit un point de passage, normalement, juste ici, voilà. Donc il va récupérer ses deux étoiles. Tout va bien, voilà. Les amis. Tout va bien. Pas de panique, hein, tout est prévu. Hein, ah, et là, il a utilisé un petit trick. En fait, en se faisant taper sur les fesses par les espèces de baseball boys, là. Par l'œuf. Les joueurs de baseball, là. Et ben, en fait, il se fait éjecter vers le haut. Alors, c'est voilà, voulu par le jeu. Hein. Mais, imaginez-vous sur une balançoire et que l'on vous pousse, c'est le même principe. Alors, moi, je me dessonne derrière ce totalement. Ah, ouais, c'est ces envies d'histoire. Un peu compliqué. J'aime beaucoup les. Ah là là. Ah, le timer a recommencé visiblement. Donc d'accord, je pense que Trayex, à mon avis, à la fin, ils vont le lire. Il va dire time, et ils vont lui dire 1:28. Et il va dire oula. What? Non, mais c'est pas possible. Donc, non. J'ai pété le record du monde. J'ai pété le record du monde. Ah, je vois que Biff a les bonnes références de la classe américaine. Ah oui, le train de Zerlus roule sur le rail. La différence. Ah là là, la classe américaine. Je préfère partir d'entendre ça. Voilà. Ouais, ça t'a coupé malheureusement, mais... Ah oui, alors le boss de ce niveau, enfin le boss de ce monde est très rigolo. Ah, c'est Raphaël. C'est l'espace que j'aime beaucoup. Raphaël, notre ami Raphaël. Moi, c'est mon boss préféré, évidemment. Le boss de ce monde. Ouais. C'est mon boss préféré.
C'est une idée de boss qui a été reprise d'ailleurs, si je ne me gourre pas, dans Super Mario Galaxy. Alors le 1 ou le 2, je ne sais plus. Je ne sais pas, après Mario Galaxy, effectivement, de toute façon, joue tellement sur cette. Enfin, on le verra, on aura le temps d'en parler quand Raphaël arrivera. Mais tout à fait. Bah, Mario Galaxy joue évidemment de toute façon sur cette notion de nostalgie. De monde, non, mais surtout de monde tournant, enfin, de cette. Pas 3D isométrique, j'allais dire, mais de 3D. Enfin, bref. De vrai, de pure 3D, on va dire. De monde sur des planètes. De oui, 3D rotative. De monde, de tourner autour d'un monde, tout ça. Ouais. Donc, du coup, évidemment. Mario Galaxy joue à fond sur ça et donc sur le principe que Raphaël, évidemment Yoshi Island a tout relancé. Mais oui, le timer a été relancé, hein, on m'indique en régie. Tu préfères Shirley qu'à Wayne. Oui, non, mais là on va me dire, mais oh, ça fait depuis 8 minutes qu'il est relancé, tocard, le timer. Non, mais, oh, t'avais pas vu. Parle dans le regarde pas ce qu'il tocard, reset. Et ton commentaire, voilà, le sac. Oh, ouais. Dans il est trop mauvais. Voilà, rendez-nous MV. Oh, il est trop nul. Voilà, tous les temps passant, là, il a fait une série de. Il a fait une. Ah, micro, please. Pardon, micro, please, ça manquait. Micro. Oh là là. Micro. Toka. Voilà, donc il a fait une série de perfect flutter encore une fois pour bouger un nombre de fois, enfin bouger entre les plateformes et donc ne pas avoir à passer par-dessus les plateformes et perdre du temps. Et donc on arrive sur le 5-8. Donc le niveau 8. Sustain flutter, hein, le sustain flutter. Voilà, il a fait du sustain flutter. Plusieurs ouais. Perfect flutter en même temps. Voilà, enfin, à la suite plutôt. Le, en français, le sustain flutter qui veut dire. Le je sais se pas. Dit, le Carole Quintaine, tout ça. Sustain flutter, le planage continu. Le ouais, planage voilà, continu. Voilà, ou maintenu, le planage contenu. Maintenu. Ouais, maintenu, oui, voilà, tout ça fait maintenu. Voilà. Maintenu, voilà. Ah, vraiment, hein. Cette loi tout bon hein, va nous rendre complètement fous. Plane en continu, hein, on va dire. Voilà, tout à fait. Ah, c'est beau ce niveau. Hein. Les casseurs voilà. Flotteurs. Ah, toujours des rois de la blague hein, sur les streams à GDQ, c'est assez génial. Alors là, c'est voulu par le jeu, hein, pour le coup, de réussir à aller par-dessus aller comme par ça ici, avec en sautant grâce à un ennemi. C'est-à-dire que de toute façon, le jeu espère qu'à ce niveau du jeu, c'est-à-dire que, oui, voilà, le jeu espère qu'au bout de 5 mondes et 8 niveaux, on a compris qu'on allait plus haut en sautant sur les ennemis. Merci alors, à lui. Je trouve que la vie de ces petits ennemis canons doit être, ma foi, fort malheureux parce qu'ils n'ont qu'une bouche pour balancer voilà. Des boulets et rien d'autre. Alors, voilà, donc là. Il doit absolument récupérer des étoiles parce qu'il s'est fait toucher. Donc il va essayer de. Voilà, normalement il irait. Ah non, il l'a fait déjà. Non, c'est bon, voilà. Donc il a récupéré ses étoiles normalement. Donc tout va bien. C'est bon, c'est bon. Oh là là. À chaque fois j'ai peur pour lui parce que c'est vraiment. Alors c'est infâme. Si vous faites toucher dans ces mondes-là, c'est vraiment infâme sur le dernier boss. Si vous faites toucher sur un dernier boss, vous avez tout à refaire, c'est l'enfer sur Terre. Et alors, voilà. Donc ça, c'est le fameux trick dont je parlais. Qui, oui, vous allez voir. Fait, donc là, on va voler voilà. À travers. Oh, ah voilà, et voilà. Il a réussi. Ah c'est beau. Il c'est a réussi. Un runner qui réussit. Ah bah oui, voilà. Et là, il a réussi. Il a réussi. GG à lui. Pour faire le capa slash ça, ça a pas du tout applaudi dans la salle. Voilà. Mais c'est pas évident du tout à faire hein, ce qu'il a fait. Non, non, parce que du coup, il a skippé. Moi, j'ai essayé. Hein. Cette salle. Je dois avouer que j'ai vraiment vachement préparé, hein, faut le dire hein, quand même. J'ai rejoué au jeu, j'ai fini de A à Z et j'ai essayé les tricks. Et alors, je peux dire qu'il y en a, mais alors c'est infâme, c'est impossible à faire. Notamment le fameux dont je parlais tout à l'heure, que le fameux trick, enfin, la fameuse astuce frame perfect, donc enfin. Donc pixel perfect donc au millimètre c'est extrêmement dur à faire. Alors là voilà donc là il est entre guillemets dans la merde dans le caca parce qu'il doit se refaire des étoiles. Tout à fait. Parce qu'il s'est fait toucher. Donc il va faire des rebonds. Voilà il va ça. Se faire des petits œufs. Ah ok donc là pourquoi il fait comme ça je ne comprends pas. Mais que pourquoi il fait ça après il récupère pas que ah, parce qu'il en a que 20. Il a messed up comme il dit hein. Donc du coup oula. Il va se faire tuer et il va revenir au dernier checkpoint je pense. Ah micro bébé. Micro. Micro. Micro bébé. Oh micro sac.
Tocard. Ah, merci le chat qui répond. Dit Takotak, merci. Non mais attends, je pense que ça va être le même problème pour tous ceux qui sont... Mais oui, mais en fait, moi, je sais pas trop qu'est-ce qui... Je pense que c'est juste moi qui arrête d'essayer de parler correctement, enfin, intelligiblement, si je veux dire. Haute et intelligible voix. Oh, il s'est encore fait toucher le sac. Là, du coup, il est en train de... Non, c'est bon, normalement il va avoir là. Il a assez d'étoiles, comme lui. Encore une fois, le jeu lui a dit qu'il avait assez d'étoiles. Alberto! C'est mon boss. Ah, alors que ça s'est fait ban par Moubot. Parce que ça a mis trop de haut à Alberto. Donc évitez de mettre trop de haut à vos Alberto. Rip mes oreilles. Ah, je parle trop fort. Donc c'est ça, donc c'est que je parlais trop fort. Ok, très bien. Ah peut-être, oui. Bah, ah d'accord, donc je vais parler moins fort. Donc, alors, est-ce que le chat peut me confirmer que cette idée de boss est bel et bien dans Super Mario Galaxy? Je sais plus si c'est Galaxy ou Galaxy 2. L'idée d'enfoncer des piquets, en fait, dans la nuit d'un boss. C'est le 2, je crois, non? Le 2, oui, le 2. Ah oui, on me dit que c'est le 2. La régie m'a dit. Que c'est le... Excusez-moi, je vais essayer de parler pas trop fort. Je suis désolé, je regarde le chat du coup. Je suis vraiment désolé. Non mais en fait, je vous dis, j'ai pas de retour de micro, donc je sais pas de parler fort pour parler fort. Hein. J'essaie juste de parler fort pour m'entendre. Le problème, c'est que je n'ai pas vraiment de retour de son, comme vous avez très bien expliqué MV. On a un peu fait le setup. C'était un setup. À la rage, entre guillemets, on n'avait rien prévu. Enfin, pas qu'on n'avait rien prévu, mais malheureusement, ça n'avait pas bien fait les choses. Voilà. Donc excusez-moi encore une fois si j'ai parlé trop fort. Alors, je profite que ça s'affiche sur le layout du stream US, hein, sur le fond d'écran du stream US, les différents lots que vous pouvez gagner. Si vous donnez $30, vous pouvez entrer dans une loterie pour gagner une 3DS. Si vous donnez $50, vous pouvez entrer dans une loterie pour gagner une PlayStation et ou un PC Alienware. Et si vous donnez $5, vous pouvez gagner une petite peluche Puffy, toute mignonne, trop choupie, que moi j'ai bien envie d'avoir à la maison. Les Puffy sont l'espèce de petite boule blanche avec des petites moustaches qui, quand vous les touchez, D'accord. Vous font voir mon zèle dans ce jeu. C'est ça. Alors on arrive au dernier monde, donc le fameux monde de la nuit, si je veux dire, de la pleine lune. Alors il y a DigTV, si tu veux la PlayStation, il faut faire un don de $50. Oui, non, c'est 50 dollars pour la PS4. Voilà. Alors on rappelle du coup pour les dons. On est en train d'essayer de bourrer, comme on dit, les prisons consacrées MVTDF, qui est la première incentive, entre guillemets, où on peut renommer quelque chose. Donc, en l'occurrence, on peut nommer la sauvegarde du jeu Donkey Kong Country 3, et on essaie que ce soit MVTDF, donc comme le fameux Tour de France dont vous a gratifié MV pendant 3 semaines. Hein. Donc n'hésitez pas à donner pour féliciter, hein, ce sera un peu un big up au Tour de France de MV, remerciement final, on va dire, pour ce fameux Tour de France qui était absolument drôle. Assez exceptionnel, assez drôle. Alors, la peluche, ça va trop vite sur le chat, attendez, arrêtez de causer. Ah oui, là, ça allait beaucoup trop vite, surtout avec les trucs de Noirdez. Je peux toucher la peluche. Oui, ok, d'accord, ouais. C'est juste une connerie. Ok. D'accord. Ah ben voilà, merci Noirdez pour l'image de la peluche, regardez comme c'est trop mignon. Ah, merci Noirdez. Elle trop est trop gentil. Mignon, cette peluche. Ah oui, puis vous avez aussi les Purlers, Pushy et Kamek. Oui, donc voilà, vraiment, regardez ce qu'a posté Noirdez là, un peu plus haut. Voilà, vous allez voir tous les lots que vous pouvez rapporter. Alors évidemment, quand vous faites un don, vous pouvez faire un don avec un petit message que vous laissez à l'attention des organisateurs de la GDQ, mais vous pouvez également utiliser votre don pour participer à des... Vous pouvez participer à des incentives et notamment, oui, comme expliqué Incroyable Bébé, renommer une sauvegarde de Donkey Kong Country. Il y a également plein d'autres incentives qui sont possibles, que vous pourrez retrouver donc. Ça va s'afficher là, merci Moubot, que vous pouvez retrouver donc en détail
sur la page qui va s'afficher. C'est ça, et on a les perleurs aussi à récupérer. Donc, encore une fois, vous pouvez, en faisant un don minimum de 3 euros, il me semble, et en indiquant bien votre pseudo et en mettant FR au début de votre donation, voilà. Comme ça, on pourra vous retrouver. C'est très important. Vous aurez une chance de récupérer donc, les fameux perleurs. Donc, je ne sais pas quelle est la commande Mobot, mais vous verrez, c'est des magnifiques perleurs qui ont été faits par plusieurs teams. Par la de team perleurs. Il y a la team perleurs, mais il y a aussi d'autres perleurs qui ont été faits par une autre team. Comment il s'appelle ? Elle est dégueulasse. Je vais vous dire. Et donc des très beaux. Je les rajouterai quand j'aurai fait les commentaires. J'ai pas eu le temps justement, mais je les rajouterai sur la spreadsheet, donc le tableur des perleurs. Mais on mettra aussi évidemment ceux de l'autre team. Donc pas de la team perleur, mais des autres. Voilà. Donc encore une fois, les perleurs uniquement français. Gagnés par les Français qui sont d'excellents perleurs. Donc n'hésitez pas à donner pour récupérer ces perleurs très très bien. Oui, alors, Plasma Breaker nous le rappelle, vous pouvez renommer Ness dans Earthbound en Satoru. Parce que pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité, le président de Nintendo est décédé il y a peu de temps. Ah bon. Satoru... Oui, vas-y. Satoru Iwata était notamment... voilà, donc pour lui rendre hommage, toute l'équipe de la LGDQ a eu l'idée de renommer donc Ness en Satoru. Ah, voilà, oui. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Ouais, surtout pour un personnage qui s'appelle Ness, donc effectivement. Tout à fait. Parce qu'en plus, il était. Enfin, moi je connais pas bien l'histoire, mais. Il a programmé, enfin, il a aidé un peu. Oui, il a été programmeur de ce jeu. Effectivement, pour un. Ouais, d'accord. Tout à fait. Bref, ouais, bah voilà, Rip Iwata, tout ça. mais donc oui, n'hésitez pas à donner pour Ah, c'est le nom du joueur, pardon, excuse-moi, Hydrobombe. Ah, mon micro coupe de temps en temps, d'accord. Bah alors en fait, je suis vraiment désolé encore une fois pour ça. C'est peut-être le TS par contre. Ouais, c'est peut-être le TS, donc je vais voir si je peux baisser un tout petit peu la sensibilité. Alors, excuse-moi si tu m'entends pas pendant 5 secondes, du coup, Kawaii Max, non, vas-y, je vais te laisser parler pendant 15-20 secondes. Pas de soucis. Donc là, comme vous pouvez le voir, on utilise ces petites plateformes tournantes. On va utiliser en fait leur inertie. On va utiliser leur inertie pour donc être projeté plus haut. Ah bah voilà l'effet que provoquent ces petites peluches. Et là, du coup, je pense que l'on va décéder. D'accord. C'est mon micro qui coupe ou c'est le tien ? Non, c'était. Je pense que c'était plus le tien en fait. Ah, d'accord. Non, c'est donc le micro de Kawaii, c'est bien ce que je pensais. Je sais pas pourquoi je suis passé par lui, parce que évidemment, mon micro, comme sur le plateau. Je suis bête, donc alors, il est décédé malheureusement. Les niveaux de façon à partir de maintenant deviennent vraiment très compliqués, surtout pour faire en 100%. Enfin, je sais pas s'il y en a beaucoup sur le chat qui ont fait, qui ont essayé de faire en 100%, mais encore une fois, c'est pas une question qui soit forcément cachée, mais t'as des pièces qui sont assez infâmes comme celle-ci qui sont à récupérer. Il faut vraiment. Enfin, voilà. Bon, après, évidemment, on est dans des speedruns. Hein. Trex connaît extrêmement bien son jeu, donc c'est pas compliqué entre guillemets pour lui. Encore une fois, ces espèces de petits trucs blancs, là, petits nuages blancs, sont totalement random, donc aléatoires. Donc malheureusement, parfois, c'est extrêmement difficile de les éviter. Alors la meilleure technique pour les éviter évidemment c'est de balancer un œuf et l'œuf permet de détruire voilà. Les petits nuages. Ah, j'utilise un trick aussi avec les plateformes en fait. Tout simplement hein, quand on arrive dessus en volant par la gauche, on est toujours expulsé vers le haut. Donc il se sert de ça en fait pour avoir des boosts avoir de jump vers le haut. Voilà. Ah et là on a entendu le petit bruit de la pièce rouge, de la dernière pièce rouge, donc parfait. Il a bien récupéré en l'occurrence toutes les pièces. Alors on est déjà bientôt à 20 000 $, c'est quand même fou. Bravo, merci en tout cas à tous les donateurs FR qui ont déjà donné 185 $ pour MDSDF. C'est vraiment très très cool. Merci à vous. Continuez de donner. On rappelle qu'on donne pour Médecins Sans Frontières, donc enfin Doctors Without Borders, parce que c'est le Médecins Sans Frontières américain entre guillemets. Donc c'est la branche américaine de Médecins Sans Frontières à laquelle on donne. Donc malheureusement vous n'aurez pas les réductions d'impôts que vous avez normalement pour les dons à des associations en France.
Mais voilà, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de donner, évidemment. Et encore une fois, vous avez plein de possibilités pour donner. Donc vous pouvez donner voilà, via des dons directs, mais vous pouvez également donner en achetant des t-shirts The Yeti. Vous pouvez donner en achetant des, ce qu'on appelle les Humble Bundle. Donc c'est en gros plein de jeux sur Steam et autres que vous achetez dans un pack, et en gros une partie de l'argent du Humble Bundle est reversée encore une fois à Mises sans Frontières. Vous avez qu'est-ce qu'il y a d'autre comme possibilité de don? Je crois que c'est tout en fait. Je crois que tu as tout dit. Mais voilà, donc plein de façons de donner. Si vous n'avez pas forcément envie de donner, par exemple directement, mais que vous avez envie d'un t-shirt, de refaire votre garde-robe, n'hésitez pas. Il y a des très très beaux t-shirts, dont un qui a été fait par Tso, le francophone, un t-shirt de Chrono Trigger, fameux Omega Blast, je ne sais plus comment ça s'appelle. Rassurez-vous, je ne commenterai pas Chrono Trigger parce que je n'y connais rien. D'ailleurs, vous en aurez un excellent commentateur de pour Chrono Trigger, en l'occurrence Otavino, qui est, il me semble, le troisième meilleur temps mondial. Ah oui, non, donc, on me dit à la régie que ce n'est pas Humble Bundle, ce sera des promos. Oui, excusez-moi, je me renseigne. Justement, j'ai dit que je n'étais pas forcément sûr. Le bundle arrivera sans doute demain, on me dit sur le chat. Merci pour l'air, l'Omega Flair. Merci, Neoslash. Voilà. Donc, voilà. Donc, il n'y aura pas, le bundle button pour l'instant, ça arrivera. Merci beaucoup pour les infos. Oui, il n'y a pas de bundle, d'accord. Mais pour l'instant, il y a des promos, me dit Biff. Donc, voilà. Donc, on peut donner plein de façons différentes. Alors, ici, on aura un skip. Voilà, on arrive juste au moment. En l'occurrence, ici, donc encore une fois, un skip, on va passer tout un pan du niveau grâce à un petit masque blanc. Donc pour l'instant, déjà, on récupère tous les items importants. Donc encore une fois, on a récupéré toutes les fleurs, donc 5 fleurs, 20 pièces rouges et 30 étoiles. Et donc en l'occurrence, donc on récupère encore une fois une fleur. Alors là, c'est un peu voilà, infâme, vous avez vu, il faut tirer. La petite astuce, c'est le tir. Ouais, il faut vraiment avoir un angle parfait pour avoir cette fleur. Voilà, voilà. Donc, encore une fois, il y a des setups, donc des façons entre guillemets faciles, comme si j'ose dire, de faire les choses. Et donc voilà, on va utiliser ici voilà, le petit bonhomme blanc pour faire encore une fois un sustain des imperfect flutter et passer par-dessus, vous voyez, le mur. En fait, les programmeurs étaient entre guillemets assez. Pas envie de dire lazy, mais disons qu'ils ne codaient pas. Encore une fois, on est sur une console qui est une console 16 bits, donc on peut pas mettre forcément énormément d'informations. Donc généralement, les programmeurs n'avaient pas codé pour que les murs aillent jusqu'à 300 mètres de haut, parce qu'il n'y avait pas besoin. En théorie, on n'est pas censé pouvoir sauter aussi haut. Ouais, c'est ça. Mais oui, par exemple, Socrate nous indique que Shovel Knight est en promo sur le Humble Store. Donc n'hésitez pas. Shovel Knight est un excellent jeu qui sera d'ailleurs runné à cette SGDQ, qui sera commenté d'ailleurs par un runner français du low pourcent. D'ailleurs, ce sera runné en low pourcent. Donc c'est assez cool qu'on ait des très bons runners comme ça. En l'occurrence, je ne sais plus son nom, mais voilà, un runner français de Shovel Knight. Qui sera là pour nous. J'ai réglé la sensibilité de mon micro pour la mettre un peu plus forte afin que l'on ne m'entende pas ronfler. Voilà. Notre KW est respiré, sac. Ah voilà. Donc voilà, déjà c'est fini. Alors ce boss, encore une fois, on a réussi à faire un œuf entre guillemets parfait en tirant vers le haut. Ce boss qui était normalement extrêmement chaud. Et Shovel Knight, là, bon, si vous n'avez jamais joué à Shovel Knight, on vous invite à y jouer. Franchement, il faut vraiment y jouer. Vraiment très, très cool, c'est un jeu qui va vous inciter à faire du speedrun, même sans vous le sachiez. Alors, du coup, il y a toujours le même trivia nul sur ce niveau. À chaque fois que je vois un marathon ou quoi que ce soit avec Yoshi Island, on parle toujours de la même chose. Alors, il faut savoir que cette cave, elle tourne en rond. Et en fait, on revient.
revient au même endroit. oui, en gros, encore une fois, du coup, je vais pouvoir rebondir sur ce que je disais. Encore une fois, c'est une console de deuxième génération, on peut dire ça. Oui. Donc, du coup, on n'a pas beaucoup de place sur les petites cartouches pour mettre beaucoup d'informations. Donc, du coup, en fait, le petit astuce sur ce niveau des développeurs, c'est qu'en fait, ce niveau est en fait une spirale, si je veux dire, enfin un rond. Enfin, tourne en rond, c'est-à-dire que là, l'endroit dans lequel on vient de passer, on va y retourner juste à la fin, en fait. Mais en fait, comme c'est un autoscroller, le joueur ne s'en rend pas compte, si je veux dire. Donc voilà. Quatrième génération, merci Navis Lay. Merci à vous de lire le chat, mais je vous en prie. $51 from Nick G213. Thank you all for the awesome SGDQ Entertainment. Et la déception que je peux exprimer sur ce jeu à titre personnel, c'est le manque de musique différente dans le jeu. Je trouve dommage. Je trouve dommage que les musiques du jeu soient un peu faibles, en fait. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de musique, ça se change pas beaucoup. Et alors là, vous voyez qu'il est encore en train de faire. Alors voilà, on nous dit, voilà, ouais, commentaire de sac, machin. Alors il faut savoir que. Voilà, il y a beaucoup de tricks, mais beaucoup qu'on utilise beaucoup. Donc évidemment, on finit par se répéter, forcément. Et donc en l'occurrence, bah voilà, encore, il est en train de refaire des œufs rouges pour se refaire des fameuses étoiles, pour éviter d'avoir à passer dans les checkpoints, pour gagner du temps. Donc voilà. Donc voilà, en l'occurrence, il fait ses œufs rouges qui sont importants pour gagner du temps. Voilà, et pour éviter de passer dans les anneaux qui font perdre 3 secondes, parce que en fait, les anneaux, même si on a notre plein d'étoiles, nous frise l'écran pendant 3 secondes. Alors, en l'occurrence, c'est pas forcément 3 secondes, c'est plus le temps, qu'il met étoiles, pour nous remettre à 30 étoiles, en fait. Mais en soi, c'est une perte de temps. En moyenne, 3 secondes. Quoi. Voilà. Si vous avez 10 étoiles à récupérer, c'est 3 secondes. Oh là là, alors que ça veut lancer des débats meilleurs Zelda. Je ne sais pas. Ouais, bien sûr, il y a du strike points, évidemment, mais c'est aussi voulu. Voilà. Évidemment qu'il y a du strike points, alors voilà. Donc, du coup, on peut faire un petit peu de trivia nul, entre guillemets. Treyarch fait partie de ces runners, entre guillemets, qui sont connus pour faire ce qu'on appelle du swag. Hein. Donc, montrer ses beaux bras, hein, si j'ose dire. C'est un peu la traduction littérale du swag. Mais voilà, montrer comme il est fort, montrer son skill. Faire des mouvements MLG, Major League Gaming. Voilà, encore une fois, il se fait plein de rouges. Plein de rouges, voilà, pour récupérer ses étoiles. Et c'est aussi ce qu'on peut appeler de la backup strat, hein, si j'ose dire. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'une backup strat? C'est ce qu'on appelle une stratégie qu'on ferait si les choses se passent mal. Donc, en l'occurrence, avoir des œufs qui nous permettent de faire des étoiles, ça nous aide au cas où si on se faisait toucher. Si on se fait toucher par des ennemis, ça nous permet d'avoir une voilà, supplémentaire. C'est du backup, donc c'est en cas de mauvaise. En cas d'échec, voilà, on a une petite réserve. 10 étoiles par œuf, 6 œufs, donc ça ferait. C'est ce qu'on appelle une backup strat. Désolé. 12 étoiles en stock. Alors évidemment, c'est toujours le même problème lors des GDQ. On parle pour les gens qui connaissent, mais aussi pour les gens qui ne connaissent pas du tout. Voilà. Donc, n'hésitez pas encore une fois à nous poser des questions, à nous dire quand on fait des anglicismes. Voilà, c'est pour ça qu'on essaie de vous traduire les anglicismes, pour que ce soit clair. En fait. C'est tout à fait compréhensible que vous ne sachiez pas de quoi on parle. Si vous êtes néophyte, n'hésitez pas à nous demander. Par exemple, voilà, c'est une bonne traduction. Ah, alors là, voilà, donc là, on a un anti. On va empêcher d'avoir. Encore une fois, on a une phase d'autoscroller normalement. Donc et en fait, là, il y a un mouvement, voilà, frame perfect, pour éviter d'activer. Voilà, il a réussi. En gros, il ne faut absolument qu'il ne touche pas le sol pour ne pas activer le scroller. Et là, en l'occurrence, il a réussi. Et c'est assez compliqué, c'est pixel perfect, frame perfect, donc c'est-à-dire au pixel et à la milliseconde. Donc il a réussi. Donc bravo à lui.
Et donc en gros, il n'a pas activé le trigger, donc la zone d'activation de l'événement du scrolling. Donc du... Voilà, il n'a pas passé, ouais, de, c'est voilà, ça. Il n'a pas activé ce qu'on appelle un scroller, donc vous savez, cet écran qui avance peu à peu. Ce défilement peut, qui défile, voilà, ce défilement persistant, il ne l'a pas activé. Oui, non, c'est pas un MS, c'est un 60ème de seconde, excuse-moi, Siruki. De toute façon, on se fait toujours corriger par les connaisseurs. N'hésitez pas aussi à nous corriger quand on dit des bêtises. Hein. Encore une fois, on n'a pas trouvé, aucun runner francophone du jeu ne s'est proposé pour commenter ce run. Donc évidemment qu'on va dire des bêtises, évidemment qu'on en a déjà dites. Hein. On s'excuse, évidemment. Et on en dira bien d'autres. Il y a Rascobi qui demande combien d'heures passe-t-il sur ce jeu pour arriver à ce résultat. Énormément d'heures. Le nombre de décès sur le jeu est impressionnant. Alors ça se compte en plus de centaines d'essais, hein, évidemment. Et voilà, il faut savoir que c'est à force de recherche, d'entraînement et de tentatives que un runner comme Trayex arrive à ce résultat. Ça fait 6-7 ans, je pense, qu'il règne le jeu. Ouais. C'est l'un des premiers à avoir vraiment dosé le jeu. Ouais, tout à fait. Il a eu un certain nombre de fois le record du monde sur ce jeu. Là, on en a pas parlé du coup pendant que tu parlais à ça, mais il a fait en fait un skip, enfin pas un skip, mais il a réussi à récupérer une clé à travers le mur. Alors, je sais pas si tu veux expliquer comment ça marche. Ouais, en fait, en tirant la langue, tout simplement, en restant bloqué entre le boulet et en tirant la langue, il arrive en fait à clipper. Alors, je sais pas comment. Alors, en fait, le jeu, quand on est bougé par un rock ou qu'on bouge un rock, en fait le jeu pense que notre hitbox, donc notre zone d'attaque de langue traverse, ne peut pas traverser le rock. Il nous dit tu peux pas traverser le rock avec ta langue. Par contre, comme on bouge, on peut traverser tous les autres rocks. Voilà. Donc, l'autre rock qui nous donne la clé. Voilà. C'est plus ou moins ce qui est, comme ça que c'est expliqué sur le wiki. Du coup, on traverse le mur, on arrive à choper la clé, et donc ça nous permet de passer quasiment toute la moitié droite de ce niveau où on doit faire tout un tour pour aller récupérer la clé et rien d'autre. Voilà, donc c'est un gain de temps tout à fait légitime. Alors du coup, on n'en a pas encore parlé, mais donc encore une fois, ces événements aussi, ce qui est bien aussi, et c'est aussi pour ça qu'on fait des restreams FR, c'est qu'ils permettent de, créer des vocations, si j'ose dire, des speedrunners. Et donc si vous avez envie de à votre tour devenir speedrunner et par exemple speedrunner de Yoshi's Island 100%, n'hésitez pas, il y a beaucoup d'informations et notamment un site, un wiki. Alors je sais pas si toi, parce que toi tu dois avoir accès à l'ordinateur, moi j'ai pas beaucoup accès à l'ordinateur. Ouais, mais je crois que j'ai pas posté des liens. Linker le fameux wiki. Si je fais ça, je me fais kick. Alors, on m'indique sur le chat que le world record c'est 2:33:17. Il a changé ce world record, comme on le disait en début. Le world record est aujourd'hui à 2:32:55 par Trix, le même, le fameux Trix que nous a indiqué la personne sur le chat. Donc, c'est pas TryX qu'il a, c'est Trix, un autre runner à ne pas confondre. Et donc qui a le record du monde, voilà. Alors que ça c'est vraiment le niveau infâme. Moi j'avais vraiment détesté en casual quand j'étais gamin, j'étais mort un millier de fois sur ce mec là, espèce de machin noir qui nous bouffe là. Ah, alors que le chat va sans doute me dire, mais enfin, le machin noir, il s'appelle Blabla. Chaque fois, c'est toujours la même chose de toute façon. Hitbox concurrent Twitch, le... voilà, faut traduire Hitbox par concurrent Twitch. Merci. Oui, merci Darcel. Le chomp, bah voilà. Oui, oh, oui, le chomp. Je cherche aussi, je l'avais au bout de la langue. Merci. Voilà, merci à vous. Désolé. Chomp, gros sac. Tocard. Merci à vous. Désolé. On, hein. On dit beaucoup de bêtises, hein. Je suis désolé. Après, il faut savoir qu'on ne commande pas forcément que chez Island. Donc, on a quand même pendant une semaine
une accumulation d'informations dans notre tête, et du coup, il se trouve que on va pas forcément choisir de se souvenir du nom des personnages, mais plus d'autres choses entre guillemets plus importantes à dire. Donc, excusez-nous si on ne connaît pas forcément les noms des monstres. Quand on se lance dans un commentaire de Rod, même si on connaît le jeu, on a plein de trucs à réviser, à revoir, des noms, des strats, des trucs machin. Donc, c'est assez long. Et en plus, étant donné qu'on n'est pas nombreux à commenter pour ce Restream FR, il y a 150 jeux et on est une soixantaine de commentateurs, je crois, 70, un truc comme ça. Il y a forcément des jeux où on va être deux ou trois à commenter en même temps. Donc on a plusieurs jeux à réviser en même temps. Et il est vrai que voilà, moi, Yoshi's Island, pour prendre mon cas, 3615 ma vie rapidement, c'est un jeu auquel j'ai joué de façon casu, mais que je n'ai pas speedrunné. Donc j'ai dû apprendre plein de trucs sur les stratégies, le nom, etc. Donc voilà, il faut bien comprendre que on n'est pas runner nous-mêmes parfois des jeux que l'on commente. Donc on a parfois des lacunes, ça arrive à tout le monde, voilà. Comme quand vous passez le bac. Bref, ok, excuse-moi, arrêtez des coups sur ça quand même. Mais donc du coup, alors là, on n'a pas parlé. Alors ce qu'il a fait, il a encore créé des pièces, enfin il a encore créé des étoiles, encore une fois on répète la même chose, mais il a créé des étoiles avec ses œufs rouges, donc des œufs qu'on récupère après qu'il les a ricochés deux fois. Avec ses œufs, il a créé des étoiles et qui lui ont permis, encore une fois, de ne pas avoir à passer par le checkpoint. Et là, c'est, pour le coup, c'était des œufs pas évidents à faire parce qu'il n'avait pas de grosse marge de manœuvre. Il avait un nombre d'ennemis limité pour les créer, ces fameuses étoiles. Hein. Et donc, du coup, en l'occurrence, ça claque pas, bien sûr. Donc, bravo à lui. Et encore un gate hack. Donc là, c'est le seul du jeu, en l'occurrence, enfin du speedrun, qu'on peut faire avec un ennemi. Donc normalement on le fait avec un œuf, et en l'occurrence ici il a voulu le faire avec en envoyant un ennemi. Ça se passe exactement de la même façon qu'en envoyant un œuf. Hein. C'est simplement on crache un ennemi dans le petit passage, les petits trucs de flipper pour passer. On a quelques frames pour passer. Voilà, et lorsque l'ennemi revient vers nous, il ouvre simplement les flippers, ce qui nous permet de passer tranquillement. Voilà, les gens vont être tellement perdus entre les flippers, les flotteurs. Ça va être infâme. Je suis désolé. Excusez-nous d'avance. Voilà. Donc voilà, donc du coup, on est déjà au dernier niveau, entre guillemets, original. Mm-hmm. Avant les extras, il nous restera 3 extras après ça. Donc c'est pas tout à fait le dernier niveau. Donc voici le fameux Kamek, hein, le sorcier venu du futur. Alors qu'est-ce qu'on skip Qu'est-ce qu'on skip généralement des pans de niveau importants. Alors qu'est-ce qu'on skipait En l'occurrence là on skipait, vous voyez le petit cercle d'étoiles là qui vient d'apparaître. On skipait ce truc là, on skipait d'avoir à passer dans ce truc là. Ce qui nous fait perdre un tout petit peu de temps. Alors c'est évidemment, je vous dis depuis 10 fois qu'on le skip. Que ça skip seulement 3 secondes, mais ces 3 secondes les unes les autres, les unes ajoutées aux autres, et ça fait beaucoup à force. Voilà. Et alors là, du coup, on en parle très très vite, on l'a complètement raté, mais il a fait un tir d'œuf qui est très très compliqué, qui est pas évident du tout, qui est très très précis, qui lui a permis d'activer directement la porte 4. Il faut savoir que les portes mènent absolument à la même chose, mais il y a des portes qui sont plus rapides que d'autres, et en l'occurrence, c'est la 4 qui est la plus rapide. Voilà. Ah, et là il a une bonne chance à niveau étoile. Il faut savoir qu'il faut qu'il ait 20 étoiles absolument avant la fin de ce scroller. Mais Kamek est assez infâme. Moi j'ai vu beaucoup, notamment Crispy, le gars en noir qui est sur le canapé. J'ai vu beaucoup de runners reset ici. Parce que Kamek, à vrai dire, ces espèces de missiles sont un peu infâmes. On sait jamais où il va les envoyer, même si on peut un peu manipuler la façon dont il les envoie. Ah, il va viser plus ou moins vers nous. C'est un peu aléatoire. Parfois c'est un petit peu aléatoire et ça peut. Moi j'ai vu des gens reset sur ça. Donc, en source. Ah oui, donc je vais remettre en source. Du coup. Parce que désolé, j'avais mis en high tout à l'heure parce que encore une fois le stream bufferé, donc on va essayer de repasser en source pour avoir une meilleure qualité de stream. Tu veux qu'on fasse un petit point timer rapidement? Là je suis en source, donc là c'est du beau 60 FPS normalement. Point timer 2, 30, 50, 51, 52.
Ouais, nickel. Voilà, donc là normalement source ça passe, on va espérer que ça ne le fera pas. Qu'est-ce que c'est grave de faire? Pardon. C'est quand le stream prend du temps, se reload, se réaffiche. Ah, et du coup, comme il a bien fait cet écran, il n'a pas besoin de passer par le. Par le petit checkpoint, encore une fois, donc bravo à lui. Ah, donc c'était bien, voilà. Avez-vous remarqué que Kamek lance des symboles PlayStation? Oui. Ah, alors qu'on arrive sur le trick du speedrun, et voilà, ça buffer. Donc je vais repasser en high. Ça buffer, je suis désolé pour le stream, je vais être obligé de repasser en high. On verra si on peut repasser en source plus tard, tout ça. Et donc là, on va voir le trick du jeu. Je vais faire un post-play très très vite pour qu'on puisse voir le trick le plus compliqué du jeu. Extrêmement important pour le jeu. Le trick de la langue. Extrêmement important. Alors, on espère qu'il le fera. Il fait gagner à peu près 69,42 frames. Ah, et c'est réussi. C'est réussi. Kappa slash slash. Bravo à lui. Pogchamp. Bravo à lui. Vous savez, il y a le doublage de Bubba Bowser, excusez-nous, on l'a un peu skippé. Non, mais il y avait un doublage de Baby Bowser sur le canapé. Alors moi, il faut me dire que je n'ai pas beaucoup de son du stream US. Donc du coup, je vous traduirai bien tout ce qui se dit. Pas de soucis par rapport à ça, mais je ne peux pas malheureusement. Parce que je n'entends strictement rien. Alors attention, là nous sommes sur le vrai, le final boss. Alors ça les Kappa Pride, ça tout ça. Merci à vous. Ah, il y a un Kappa Maracas. Je regarde ça. J'ai manqué ça. Ah non, ah oui, c'est des maracas. Non, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est énorme. C'est énorme, les capas maracas. Ah non, c'est des mains. Ah, c'est génial. Super. Bon, bref, donc du coup, le dernier boss du jeu, Bowser, qui est assez. Ah, moi, je l'aime bien ce boss d'ailleurs. Ah, je trouvais assez swaggesque justement. Du coup, voilà, c'est Baby Bowser qui a été transformé en méga et donc du coup, est devenu méga Bowser, enfin, grand Bowser. Alors les tirs 2 sont pas du tout évidents, d'ailleurs il en a raté un ou deux là. Ça demande déjà de l'habitude de ce boss. C'est du practice, hein, ça se practice ce boss là. Et vous voyez qu'en fait il y a des façons d'envoyer les œufs qui sont bien précises. En fonction de la longueur, en fait on sait en fonction de la taille de Bowser avec quelle force il faut envoyer les œufs. Et vous voyez là en l'occurrence il a raté 2-3 tirs d'œufs. Alors combien de tirs d'œufs il faut? Je crois qu'il faut 6 tirs 2 ou 7 tirs 2 peut-être. Voilà, il a vraiment 7 tirs 2. Et voilà, c'est fini. GG. Alors là, on va faire un reset. Voilà, en gros, une fois qu'on a fait envoyer le dernier hit sur Bowser, on a le droit de reset. Non, en tout cas, la catégorie 100% l'autorise. On a le droit de reset parce que le jeu va, vous allez voir, confirmer qu'on a bien eu 100%. Parce que de toute façon, on voit que l'extra est activé, donc on sait qu'on a eu 100% dans tous les niveaux du monde 6. Donc on s'autorise de reset pour éviter d'avoir toute la fin. Voilà, toute la fin du jeu qui s'affiche. Donc évidemment, vous n'aurez pas les crédits malheureusement. C'est un petit peu dommage d'ailleurs, parce que je trouve que les crédits de GL Land sont vraiment sympas. Ouais, ils sont trop mignons. Et encore une fois, voilà, on a fait de l'abus, avec ces petits fantômes. En envoyant des œufs en préventif. Alors, en l'occurrence, il a envoyé un ennemi en préventif. Voilà. Mais l'ennemi en roulant a touché plusieurs fois le fantôme, ce qui fait qu'il s'est recroquevillé sur lui-même, afin de nous laisser libre champ. Ah oui, tout à fait, oui, voilà, c'est ça. En fait, l'ennemi l'a touché 3 fois, en fait. Voilà. Tout à fait. Et on récupère le checkpoint ici, parce qu'on n'a pas possibilité de faire. De faire de l'abus d'œuf. Pas de l'abus, mais la création d'étoiles, c'est pas vraiment de l'abus, c'est juste de l'utilisation intelligente du jeu, comme on dit. Et alors voilà, donc Yoshi, comment écrit-on Yoshi en japonais? On écrit Yoshi. Voilà, avec deux S. Avec deux S. Yoshi. Voilà. Voilà, vous pouvez évidemment spammer en majuscule Yoshi pour bien vous faire ban par Mobot, bien sûr. N'hésitez pas, faites-vous ban, c'est la vie. Voilà, ce niveau qui est pas très compliqué, hein, c'est un peu un niveau comme à la Super Mario World, s'il y en a qui se souviennent, ou dans Super Mario World, on me disait, c'est quoi, c'est you are a great player, enfin, je sais plus ce qu'ils mettaient, you are a star. Enfin, je sais plus exactement ce qu'ils disaient, mais bref. Et il y a à peu près la même chose dans Super Mario World. Voilà, hashtag Yoshi, je suis Yoshi. Ah, et voilà, les bad moobots commencent. Yoshi Benayoun.
Très très bien. Ah, c'est sympa d'avoir un chat réactif en tout cas. Merci à vous, c'est plutôt sympa, c'est plutôt cool. YOLO. Ah voilà, ça se fait ban. Désolé à nos amis ban. Faites attention à ce que vous faites, bien sûr. À ce niveau qui est vraiment pas compliqué. Hein. Le safe spot tout à gauche. Ah, y a juste ce petit passage en casual, c'est pas évident quand tu connais pas. Parce qu'il faut vraiment bien y penser. Et d'ailleurs, il a fait un abus en fait en abusant en fait de l'attaque roulade. Enfin non, de l'attaque rodéo. En fait, il a permis que la plateforme en fait aille complètement soit complètement collée à l'eau. Ah, le bonus. Le bonus. Bonus challenge. Ah. T'as ce qui explique qu'il a vu que ça allait arriver. Je mangerai bien, je mangerai bien à Yousisson. Ils sont vieux, ils sont vieux, le pauvre ami. Alors que nous ne sommes plus qu'à... On est déjà à 30 000 $ des 30 000 dollars de donation. C'est fou, hein. C'est fou. Alors du coup, où est-ce qu'on en est? 256 dollars pour MVTDF. Merci à vous. Est-ce qu'on est premier, Biff? Tu sais ou pas? Ouais. Ah, ils n'ont pas mis à jour les autres dons. Donc visiblement, a priori, on est premier, mais on ne sait pas encore. Donc merci à vous d'avoir donné pour MVTDF. Vous êtes fantastique, vous êtes formidable, évidemment. On vous aime. Et seulement Earthbound, seulement 3ème sur Satoru Iwata. Évidemment, on vous invite tous à bourrer pour Satoru Iwata pour le nom de NES. De NES pour Earthbound. D'ailleurs, est-ce que tu vas trouver un commentaire Earthbound, toi, Kawaii, cette année ou... Non, parce que je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde sur le jeu. Mais c'est vrai que j'ai adoré le faire pendant la GDQ. Surtout le runner. Mais oui, pour le, ouais, c'est ça, pour le RPG Midbreak, pardon. C'est vrai qu'en plus, le runner avait vraiment pas eu de bol du tout, quoi. Ouais, bref. Alors, du coup, on est sur Yoshi, on va essayer de parler d'autre chose, évidemment. Sinon, les gens vont nous dire, mais parlez du run, machin, c'est pas bien ce que vous faites. Bref. Et là, alors, ça, c'est un niveau, encore une fois, où on n'a pas beaucoup de checkpoints et on a besoin de faire des étoiles. Hein. Donc en l'occurrence, vous avez vu qu'il a attendu que les étoiles tombent bien à terre pour pouvoir les récupérer. Il n'y a pas beaucoup de chance sinon d'avoir des étoiles. Et oui, bourré Iwata. Mais vraiment, très sérieusement, ce serait bien de donner de l'argent pour NES soit appelé Iwata. C'est assez bizarre que ce soit pas NES, justement, ce soit pas Iwata qui soit premier. Voilà. Surtout que Iwata ça pourrait passer parce que je crois que c'est limité à 5 caractères. Non, là, c'est... En l'occurrence, on peut dire Satoru Iwata parce que c'est la save, c'est ça? Ouais, c'est la ça, save. Ouais. Enfin, on peut mettre Satoru Iwata en. Ouais, on peut mettre Satoru Iwata pour la save. Je sais pas pourquoi le nom c'est sur la save. Voilà. Ouais. Ah, et j'espère sincèrement aussi que le nom de la save, c'est quoi? Ce sera la Kawette. Hein. Ah, oui, le nom de la save, c'est le nom de NES. Enfin bon, à confirmer, bref, vous pouvez donner pour Satoru Iwata. Je fais pleine confiance à Biff pour son habillage à l'américaine, tout ça. Voilà, encore une fois, alors voilà, vous voyez ces petits œufs qui brillent là. Voilà, ça c'est des œufs qui font des pièces rouges. Et en l'occurrence, encore une fois, il faut absolument voilà, qu'il tape. La piranha. Ah, il a raté ses deux étoiles. Ah, ouais. Donc il faut absolument qu'il. Normalement, il les récupère. Il a laissé 30 étoiles déjà ici. Normalement, ça devrait aller. Parce qu'il a raté un œuf. Ah oui, donc c'est bon. Ok. Donc maintenant, il va falloir qu'il utilise ses œufs. Vous voyez, ses œufs brillants. Pour pouvoir créer ses pièces rouges. Ah non, il a pas besoin justement. Non, parce qu'elles se créent directement. Voilà, ceux-là, il a pas envie de les envoyer. Ceux-là, elles se créent directement, autant pour moi. Quand on arrive dans le checkpoint. Oui, voilà. Oui Carl Sagan d'ailleurs, elle avait très très bien expliqué sur le stream US il y a un an et demi. Voilà. Merci à tous pour l'explication. Merci le chat. De votre soutien. Oui, voilà, tout à fait. Comme dit Yatos, donc Satoru Iwata qui a été développeur sur Earthbound avant d'être président de Nintendo. Donc pour rappeler, Satoru Iwata, président de Nintendo, est décédé il y a quelques jours. Donc évidemment, en hommage, nous aimerions que le personnage de NES soit appelé Satoru Iwata. C'est pas une demande française, hein, c'est une demande de la communauté, hein, de SDA, il me semble, enfin de Speed Demo Archive. Tu me confirmes? Ouais, c'est ça. C'est voilà. Je te confirme. Bref, donc Yoshi. Voilà, donc là on est sur le dernier le 5 extra. Niveau. Voilà, le 5 extra. E, on appelle ça le 5E en speedrunner, si j'ose dire.
Ouais. Et là, vous voyez que la difficulté de ces niveaux, elle est juste horrible. Et le retour des skis. Ouais, alors que ça va encore. Hein. Mais celui-là, ça va encore. Comme je disais, le plus infâme, c'était vraiment le 3 extra. Hein. Le 3 ouais, ouais. Alors que on a, malgré la pause du timer, je tiens à dire qu'on est quand même déjà 8 minutes après le world record. Donc c'est quand même un excellent run, je pense. Alors, peut-être qu'il pas trop le vexé aussi. Hein. Je capa évidemment, je capa. Je sais pas s'ils ont fait avancer le timer. J'ai pas remarqué, j'ai pas eu d'impression. Ah, alors est-ce qu'il va faire un petit selfie? Non, ah non, c'est pas le niveau, c'est pas le fameux niveau. Non, non, c'était et non, voilà, donc le ski va directement sur un hélicoptère. Voilà. Ne demandez pas pourquoi, la logique. Voilà, c'est l'enchaînement du niveau. Ce n'est pas le dernier level, on n'a pas encore fait le 4 non, on a extra, pas fait le... Ouais, c'est ça. À moins que, si, on l'a fait. Non, on l'a pas encore fait. C'est moi qui me suis planté. Ça, c'est le 4 extra ou c'est le 5 extra, ça? Le 5 extra, celui-là. Voilà, donc il reste encore le 4 extra, a priori. Alors là, voilà, encore une fois, comme je l'expliquais tout à l'heure, comme dans beaucoup de jeux SNES, donc Super Nintendo, il y a évidemment les murs ne vont pas jusque, enfin, ils vont pas 10 mètres en dessous. Donc parfois, on peut passer en dessous des murs pour aller plus vite. Donc en dehors de l'écran, sans mourir, sans avoir peur de mourir. Donc voilà. Donc du coup, le dernier niveau, c'est maintenant. Eh oui. Ah non, en fait, non, on était bien sur le dernier niveau. Félicie aussi. Ah non, il a déjà fait les 4 extras. Donc c'est fini. Ok, non, enfin, autant pour moi. Donc c'est fini, excusez-moi, je pensais qu'il avait déjà fait qu'il avait pas fait les 4 extras. Donc bah bravo, bravo à Trayex, félicitations à lui. Excusez-moi, j'ai pas lu, je suis vraiment désolé, on va encore me traiter de sac et de toker. Voilà, donc encore une fois, maintenant, juste pour conclure, là, les runners à chaque fois font une vérification. Voilà, donc ils activent, toutes les cases pour voir s'ils ont bien validé le 100%. Donc capa slash sash, tryhard slash sash. Je pense que le tryhard slash est d'occasion, évidemment, n'hésitez pas. Donc bravo à lui. Bon, écoute, c'était pas génial, son run. Hein. Je l'ai quand même vu faire des runs très très bonnes, bien meilleurs récemment, mais bon. On l'expliquera encore une fois, c'est la joie des marathons. Hein. Il est dans l'estimate, donc ça va. Oui, au moins il est dans l'estimate, il a quand même bien cassé l'estimate d'un quart d'heure, donc c'est quand même pas mal. Et puis franchement, c'est des skips quand même qui sont pas faciles à faire, donc voilà, c'est... Ouais, on répète que c'est un jeu quand même vraiment très très dur, hein, en speedrun, en 100%. Déjà que les 10% n'est pas évidente, on n'a pas parlé des 10%, mais il y a beaucoup des 10%. Différentes maintenant parce qu'il y a beaucoup de glitches qui nous permettraient de terminer le jeu extrêmement rapidement. On a notamment découvert un credit warp qui nous permet de terminer le jeu en quoi 5 minutes maintenant ou 3 minutes. Oui, oui, oui. T'as aussi la run que j'aime beaucoup, c'est celle où l'écran est tout glitché là et Yoshi surf là. On a aussi un glitch qui s'appelle le Null Egg, tout ça, qui nous permet de terminer le jeu en 30 minutes. On a aussi de l'Nini% qui s'appelle No Null Egg et No Wrong Warp, qui n'utilise pas de ce qu'on appelle d'OB, donc le passage dans le décor, en dehors des limites du décor, et qui n'utilise pas le Null Egg, tout ça, tout ça. Enfin bref, il y a 100 000 versions de l'Nini%, et déjà ça c'est très dur. Pour expliquer le Wrong Warp rapidement, en fait, c'est lorsque tu fais une manip en entrant dans un tuyau, le tuyau te fait ressortir à un autre endroit dans le niveau. Ouais, voilà, enfin bref. Donc en fait, il y a beaucoup, tu changes carrément de niveau, tu changes de salle et voilà. Ouais, voilà. Enfin bref, ça pour dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de versions Nini%, enfin Nini%, donc terminer le jeu le plus vite possible sans forcément compléter plein de checkpoints. Ah, alors que ça a relancé le stream US. Ne vous inquiétez pas, c'est pas nous, c'est eux. Ah, ouais. C'est pas nous. On voit que le stream US est un tout petit peu offline. Donc ne vous inquiétez pas, on est au taquet pour les post-play. Ouais, vous inquiétez pas, nous on est là. Ça se relancera. Tout ira bien. Quand ça reviendra, pas de panique. Donc tout va bien. Donc du coup, je te remercie, Kawaimat, tu restes là de toute façon. On va passer donc à Sonic Boom. Tu seras accompagné de. De Capoué. De voilà. Capoué Nostalgique. Donc je laisse la régie
S'occuper de l'habillage. Allô, je la régie. Pourrais le faire moi-même, remarque, mais. Non, c'est Cap, oui. Comment tu l'écris? Ah, bref. Enfin, bref. Donc, merci à moi. Merci. Merci, incroyable bébé. Merci, non, incroyable voilà, bébé. Donc, moi, je vous retrouve pour Donkey Kong Country, normalement, pour la race. Très, très hype. Hein, que je commenterai avec John Dunbar et normalement Tenkei. John Dunbar, qui est un gros, gros runner de Donkey Kong Country, qu'on est très heureux d'avoir pour le commentaire de Donkey Kong Country. Donc, lui, pour le coup, il dira pas de bêtises.